Du 22 novembre au 1er décembre prochain, l'Agence nationale des bourses du Gabon ouvre de nouveau ses portes en vue de l'ouverture des comptes bourses. Alors, ce communiqué concerne essentiellement les bacheliers de la session 2023 et les étudiants non boursiers, non détenteurs d'un compte e-bourse. Cette ouverture exceptionnelle de la plateforme fait suite à un constat sur le terrain. Sur 23 000 bacheliers, 18 000 avaient déjà fait la demande et avaient des dossiers complets. Donc à ce jour, les dossiers sont en train d'être examinés. Ça, c'est pour la première vague. Ensuite, il y a eu une seconde vague de bacheliers qui n'avaient pas pu effectuer la demande pendant la période allant du 30 juillet 2023 au 30 septembre 2023. Ce sont donc plus de 4 000 bacheliers qui sont attendus. L'ANBG peut aussi compter sur l'ensemble de ses partenaires, tels que Eduque Service, pour mener à bien cette mission. À Eduque Service, nous sommes une structure dans le conseil et l'accompagnement de tous les étudiants pour ceux de leurs études à l'étranger. Mais aussi, nous avons ce volet-là où nous accompagnons aussi, comme on vous l'a dit, les étudiants de leur démarche à l'ANBG et surtout e-bourse. Pour qu'un nouveau bachelier bénéficie de nos services, il devra apporter ses documents à téléverser et aussi tous les différents documents que l'ANBG demande. Bien compte, il faut téléverser dans le compte e-bourse une photo en bonne et due forme et un acte de naissance, une copie de l'acte de naissance légalisée. Donc, après avoir téléversé ces deux documents, l'Agence nationale de bourse du Gabon procède à ce qu'on appelle une validation de compte. L'ouverture des comptes e-bourse est totalement gratuite au niveau de l'Agence nationale des bourses du Gabon et de l'Agence Eduque Service. Les nouveaux bacheliers sont priés de s'y rendre avant la fermeture de la campagne prévue pour le 1er décembre prochain.